Eh bien, salut tout le monde, c'est Mimi974 pour l'épisode 8 de Dragon Quest 9. Donc, la dernière fois, on s'était laissé après avoir tué l'Épidéon. Et donc, comme on a tué l'Épidéon, on a récupéré pas mal de bienveillance, même énormément. Et Stella nous a dit de retourner à l'Orient Express. Alors là, vous me dites, là, je retourne pas tout de suite à l'Orient Express, tout simplement. Car entre l'épisode dernier et celui-là, j'ai augmenté le niveau et j'ai gagné énormément de sous. Donc je vais aller déposer à la banque de l'arc-en-ciel. Comme ça j'aurai pas mal de sous quand je reviendrai. Ou peut-être pas, on sait pas trop si on va revenir ou pas, étant donné qu'on va aller à l'observatoire. Donc voilà. Alors juste avant de faire cet épisode là, je vous ai fait une petite bande-annonce ou un petit récapitulatif de ce qu'on a fait durant cette aventure. J'espère qu'elle vous a plu, cette espèce de petite bande-annonce. Donc voilà. Dites-le moi dans les commentaires si elle vous a plu ou si elle vous a pas plu. Donc là on se dirige vers l'Orient Express, vu que on pourra décoller avec toute la bienveillance qu'on a pris. Bon ouais, qu'on nous a donné plutôt. Donc voilà. Là on se dirige tout de suite. Alors, voilà. C'est mieux. Vous avez dû entendre sûrement des clics, c'est le moment. J'ai mis en plein écran. Donc voilà. Donc on arrive presque à l'Orient Express. J'adore vraiment la musique de ce jeu, alors j'ai pas grand chose à dire. Désolée, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Moi j'ai mal à la gorge. Ah. Mazette, elle a l'air d'avoir besoin qu'on lui remonte le moral. Mimi, ça doit être un fantôme. Pourquoi tu ne lui demanderais pas ce qui cloche? On dirait qu'elle a besoin de parler. Il est pas là. Quoi? Il n'est pas là non plus. N'oubliez pas ce personnage. Il sera important pour la suite. Voilà. Charmant, c'est ce qui appelle battre du froid, non d'une météorite. Certaines personnes sont vraiment mal polies. Je suis d'accord. Laisse tomber, on a mieux à faire. Tous à bord de l'Orient Express. Allez, c'est parti, je suis d'accord avec toi, Stella. On va y aller. Excusez-moi encore pour le truc. Allez, on se bouge. Que ce tas de ferraille n'ira nulle part si tu ne l'aides pas à décoller. Donc apparemment l'Orient Express a pris des couleurs. Waouh, on dirait qu'il est enfin décidé à comprendre que tu étais une célestienne. Ça y est, il ne reste plus que à nous ramener à la maison du gâteau pour un cheminot chevronné comme moi. Alors du cheminot, excuse-moi, mal traduit. Je veux programmer les coordinateurs dans le tableau de bord et on sera en l'air en un rien de temps. Alors ils ont quand même pas mal mal traduit le jeu, ça fait pas très français coordinateur. En gros ils vont entrer les coordonnées pour qu'on aille l'observatoire. Ok, normalement j'ai plus qu'à bouger ses commandes et on se retrouve à l'observatoire. Mais on a le temps, si tu as encore quelque chose à faire tu peux attendre alors. Non, j'ai plus grand chose à faire ici, j'ai envie de retourner à l'observatoire. Ah oui, entendu, à vos ordres, capitaine, c'est parti, toute vapeur. Allez, c'est parti pour l'observatoire. Allez, c'est parti, on va décoller. Enfin, on va partir de ce monde des mortels et retrouver l'observatoire. Et peut-être retrouver notre aile et nos auréoles, ainsi que le reste de nos pouvoirs. Peut-être. On verra bien ça. Waouh, voir un petit coup ici, et puis là, bidouiller, et puis ça encore, et... d'accord. Elle est pas les mains mortes. Hein. Waouh, j'adore cette cinématique. Ah, j'ai réussi. C'est logique en fait, j'ai réussi après tout, c'est moi le tip-top capitaine de l'Orient Express. Ça va les chevilles. Parfait, l'observatoire nous voilà, youhou! Je vous laisse profiter tranquillement de cette cinématique. Thank you.
L'observatoire a pas l'air en très très bon état, vous trouvez pas? Ô puissant architecte, ô prolifique hydralie, accorde-nous ta protection en ces temps troubles. Nous inquiétons pour la sécurité de l'observatoire. Est-ce possible? Ah, comme les prières des pieux sont vite exaucées. Regardez l'Orient Express, c'est pas lui que le salut. Apotis, quelqu'un est en train d'en sortir. Hein? Par les constellations. Mimi, est-ce bien toi? Que fais-tu à bord de... Qu'est-ce que cela? Ton arrêt haute tes ailes? Quelle horreur as-tu enduré, mon enfant? Tu as perdu tes ailes en tombant de l'observatoire et l'Orient Express est venu à ton secours. Mais qu'en est-il des autres célestins qui sont descendus au royaume enfer? Pourquoi reviens-tu seul? Pardonne-moi, mon enfant. Ton retour est une seule raison suffisante de remercier le Tout-Puissant. Maintenant, viens et fais-nous part de périple qui agissent au protecteur. Pardon, excuse-moi. La nouvelle du retour de Mimi se répand rapidement dans l'observatoire. Excuse-moi, désolé. Mimi raconte à Apotis comment elle a perdu ses ailes et son auréole dans sa chute. Et lui fait part des nombreuses bizarreries dont elle a été témoin au protectorat. Les bizarreries, c'est le chevalier Carbon et l'épidon. Donc le protectorat a été frappé par les mêmes rayons lumineux qui ont transpercé l'observatoire en ce triste jour. Je me souviens très nettement, comme toi, j'en suis sûr, Mimi, le jour où Hydralie a enfin donné ses fruits. Cette lumière maudite venue du monde inférieur a frappé notre royaume sacré ainsi que l'Orient Express. Et les figues, les fruits sacrés de Hydralie sont aussi tombés, tout comme toi, Mimi. Excusez-moi du... Nombre des nôtres sont ensuite descendus pour chercher ceux qui étaient tombés et découvrir d'où provenait l'attaque. Mais hélas, tu es pour l'instant la seule à être revenue. Nous sommes encore inquiets pour ceux qui ne nous avons pas retrouvés, mais ton retour est un signe d'espoir. Tu dois remercier l'Hydralé d'avoir veillé sur toi. Va jusqu'à lui. Il se pourrait même qu'il te restitue ta vraie forme célestiale. Le moment est parfait pour le faire, garder l'ennemi. Va et la bénédiction te puissante. Dans ce cas, c'est fini pour moi. J'ai ramené Mimi sain et sauf à l'observatoire, comme promis. Bon, ben, c'est bien joué tout ça, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Mieux vaut que je cherche mon. J'ai été content de te rencontrer, Mimi. J'ai pas eu le temps de lire, j'ai passé très vite les dialogues pour une simple raison. C'est que mon jeu ramait énormément et j'ai pas fait attention de temps que j'ai passé. Alors, le temps qu'on monte à l'observatoire, je reviens dans deux petites minutes. Voilà donc arrivé à Hydralie, donc on va prier, peut-être on pourra retrouver nos ailes et nos auréoles. Ouais, on prie devant Hydralie. Une petite minute, je vais mettre ça à charger sinon ça va. Voilà. Mimi prie avec ferveur au pied du grand Hydralie, l'herbe du monde. Elle prie si longtemps qu'elle finit par sombrer dans un profond, très profond sommeil. Oui, les mortels sont pas dignes d'habiter mon royaume. Ils sont bien trop enclins à la cupidité, au mensonge et au déshonneur. Ils sont nés à la poussière, je leur ferai revenir de poussière, à l'état de poussière. Coujeur, retiens-toi. Pourquoi me défies-tu? Père, j'ai foi en les mortels. Tu ne peux pas, tu ne dois pas dévaster leur royaume, je t'en supplie.
silence. Je te laisserai pas m'influencer, les mortels sont éradiqués. Père, j'ai foi en les mortels. Je prends cette apparence pour protéger les mortels et le royaume de votre colère. Je dois faire. Alors, quelle apparence cette voix nous parle? Je me demande. Mimi sort entre un rêve, hein. Un bizarre rêve quand même. Malgré ses prières, Mimi n'a pas retrouvé ni ses ailes, ni son auréole, ni ses pouvoirs. Mais soudainement, une voix mystérieuse s'adresse à elle. Ah. Mimi, gardienne et célestienne, nous réjouissons de ton retour. Que soit avenu sans ailes ni auréole prouve certainement que le destin t'a choisi. Je vais te montrer la voie. Cet arbre t'indiquera la prochaine destination où ton destin veut te mener. De plus, précieuse Mimi, je te confie ce sort qui te permettra de revenir en un instant à tout endroit que tu as précédemment visité. Voilà, on n'aura plus besoin d'aile de Sumer. On a le sort téléportation qui sera plus pratique pour aller de ville en ville. Donc vous l'avez compris, cette aventure ne se termine pas donc ici. Mimi Célestienne et gardienne retournent une fois de plus au protectorat. Voyage alors à bord de l'Orient Express jusqu'à la terre inférieure et retrouve les filles. Mais cela Mimi pour les mortels. En gros, elle nous dit de retourner vers le protectorat pour récupérer toutes les filles qu'elle a. Alors Mimi, as-tu retrouvé tes ailes et ton auréole? Non, malgré tes prières, les Draelings ne t'a pas restitué tes pouvoirs célestins. Je suis désolée Mimi, mais il semble que tu vas devoir subir cette privation encore quelques temps. Vraiment, tes prières au pied des Draelings t'ont inspiré un rêve mystérieux, dis-tu? Raconte-moi ta vision dans les moindres détails. Un bien étrange rêve en effet. Quelqu'un qui cherche à détruire le monde, quelqu'un qui cherche à le sauver. Je crains qu'un terrible conflit dont nous n'avions jusqu'alors pas conscience soit en train de se tramer. Il est fort dommage que tu aies perdu tes ailes et ton héros, Mimi, mais cette malchance est peut-être ainsi. Après tout, tu es maintenant capable d'utiliser l'Orient Express. Je crois que ton rêve est un message du grand architecte en personne. Si la voix du Tout-Puissant t'a donné de retrouver les figues, alors tu le dois. Les figues recèlent le pouvoir de Hydralie. Elles peuvent être la clé du salut du protectorat de l'Observatoire. La rapidité s'impose, mais tu dois partir sur le champ. Ouais, je suis d'accord avec toi. Rapporte-nous les figues, notre destin entre tes mains. Et entre tes mains. Donc écoutez, on va se diriger vers le protectorat à nouveau. Donc en gros, la voix qui nous a parlé, on sait pas trop qui c'est, mais elle nous a dit de récupérer les filles afin de... Mais afin peut-être de la réveiller ou je ne sais trop quoi. Donc on va aller récupérer toutes ces figues-là dans le protectorat. Dans une météorite, où a bien pu passer ce vieux cheminot, j'étais certain de le retrouver en venant ici. Il a dû tomber au protectorat quand les rayons lumineux ont frappé. Est-ce que je vais devoir partir à sa recherche? Pourrait t'aider, c'est bon. Comme si j'avais que ça à faire, enfin, de toute façon, je n'ai pas le choix. Oh, salut Mimi, je t'attendais pas à voir ici. Désolé, j'ai pas le temps de plaisanter, j'ai une course embêtante à faire. En fait, il faut que je retrouve quelqu'un. Bon, toi aussi, tu dois retourner au protectorat. Alors, allons-y ensemble. Ça alors, quel bout de théâtre. Hop, en gros, on retourne avec Stella au protectorat. Elle doit chercher un gros cheminot, un truc de ce genre. Et nous, on doit chercher les filles. Parfait, que la fête commence dans le royaume des mortels. Cette vieille casserole ne roule pas encore toute à toute vapeur. Est-ce qu'elle va arriver entière en bas? Je me le demande. Oh, excuse-moi. Mimi, qu'est-ce que c'est que cet arbre bleu? Si j'arrive à atterrir là-dessus, on devrait pouvoir se poser en douceur. En tout cas, je n'ai pas la meilleure idée alors. En gros, elle n'a pas de meilleure idée, donc si j'ai de l'inspiration, j'aide. Mais j'ai pas de meilleure idée que toi, celle-là, alors autant se diriger vers cet arbre bleu, vu que la voix qui nous a parlé nous a dit de se diriger vers cet arbre bleu, donc on va s'y diriger tout de suite vers l'Orient Express. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure.
la récupération des filles. Alors, d'après mes souvenirs, je crois qu'il y a 7 filles à récupérer dans le royaume des Mantels, dans le protectorat. Et on va essayer de tenter de récupérer peut-être une aujourd'hui, ou peut-être pas, je verrai. Étant donné qu'on était riche en émotions, je pense que cet épisode va être court. Je m'en excuse déjà d'avance. Donc on va atterrir cet arbre. Excusez-moi encore. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination. Tout le monde descend. J'ai l'impression qu'on ne peut pas poser jusqu'au endroit doté d'arbres bleus. Pour le moment, ensuite, il faut continuer à pied. Si tu remontes à bord dans l'esprit, je suis sûr que tu trouveras le moyen en furetant au pied de là. J'ai le vague sentiment que ce bâtiment qu'on a vu, l'abbaye de vocation, c'est là que tu peux changer de vocation. L'endroit est toujours bondé, et là où il y a du monde, il y a toujours quelque chose qui se trame. Bon, bah moi je suis à la recherche d'un homme, et toi tu es à la recherche d'un fait. Alors faisons chasse comme. Donc en gros, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'en tournant auprès de l'arbre, on a à cliquer dessus et l'Orient Express va apparaître et on pourra revenir à l'observatoire quand on voudra. En gros, c'est ça. Mais que autour des arbres bleus. Donc là, on entre dans le bâtiment de l'abbaye des vocations. Qu'est-ce que c'est l'abbaye des vocations? C'est là qu'on pourra changer de classe. Par exemple, là, je suis troubadour avec Mimi. Mais si je veux, je vais voir une certaine personne et il va me transformer en ce que je veux, par exemple, en artiste martial. Je peux devenir aussi encore magicien avec Mimi ou en guerrière. C'est à moi de choisir. Donc là, on va aller lui parler d'ailleurs. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui viennent du bout du monde pour changer de vocation. Oh, excuse-moi. Il a fallu que je dépense mes maigres économies pour venir ici. Et voilà qu'il n'y a plus moyen de changer de métier. J'ai tout le mal du monde à déplacer mon vieux corps jusqu'ici pour réaliser mon rêve de devenir femme de chambre. T'as de drôles de rêves, mon vieux. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas mon petit tablier volant et mon plumeau entre les mains. Ce vieil homme est plutôt pas mal. Il est bizarre. Je vous en prie de bien vouloir nous excuser, le père Blaise est absent pour le moment. Veuillez patienter encore un peu. Ah. Donc le père... Ben voyons, ça fait combien de fois que tu nous dis si on t'écoutait, c'est ça là, on sera encore en place l'année prochaine. Donc en fait, le père Blazette, c'est celui qui nous fait changer de vocation. Je suis terriblement désolé, je vous supplie de bien pouvoir patienter quelques temps. Donc le père Blazette a apparemment disparu. Alors on va lui poser des questions à ce monsieur-là, où est-ce qu'il peut être? Parce que ben, j'aurais voulu vous montrer comment changer de vocation, mais vraiment je vais créer un personnage spécial pour vous montrer l'exemple. Mais on va lui demander. Bienvenue à l'abbaye des vocations, vous êtes ici pour changer de vocation? Pas pour le moment, je veux enquêter un peu. Pourquoi le... Ah, si vous êtes là pour ça, je suis... Vous cherchez... Oh ouais, on cherche un fruit de l'abbaye, de un fruit magique. Maintenant que vous en parlez, quelqu'un qui venait changer de vocation a donné un fruit dans ce jour au père Blassé. Je crois que cette personne est encore à l'abbaye. Demandez autour de vous. D'accord. En fait, on va demander autour de nous, on va enquêter un petit peu. Pour savoir déjà où est le père Blaschet et où est ce fruit magique. Donc en gros, le père Blaschet est là, ce qu'elle me dit, c'est que le père Blaschet est sorti tout d'un coup et apparemment il avait l'air d'avoir énormément de pouvoir. La dernière fois que je l'ai vu, il déjeunait, à son retour il a créé quelque chose et sorti comme une flèche. D'accord, donc il était en train de déjeuner. Bon, eux je les parle pas, on va descendre là, on va voir ce qu'il y a ici, s'il y a des personnes avec qui parler. Parle à ce monsieur. Qu'y a-t-il? Je peux vous aider? Oui. Si j'ai vu un fruit de lumière, justement, j'en ai donné un au père. Je l'ai trouvé en chemin. J'avais entendu que le père adorait les fruits. Je me suis dit que ça serait toujours un plus. Je ne sais pas ce qu'il a fait après que je lui ai donné. Je l'ai vu discuter avec les serveuses à taverne, mais c'est tout. La serveuse à taverne. Donc on va lui parler et lui demander si elle a pas vu le fruit magique ou le père Blaschet. Comment? Un fruit de lumière? Eh bah ben, oui. Le père en avait un lorsqu'il est venu déjeuner l'autre jour. Vous savez qu'il est dans les fruits. Il aime manger un fruit en dessert et je lui ai donc pelé et apporté après qu'il ait terminé son plat de résistance. Il m'a dit que c'était un homme qui voulait devenir artiste martial qui lui avait donné. Ah, je lui ai parlé. Un fruit de lumière, j'aime bien. Des objets assez étranges, mais je n'ai pas ça en stock. Voilà. On doit redemander à la serveuse, mais apparemment... Donc apparemment le père Blaschet a mangé ce fruit.
Et donc il faut retrouver le Père Lachaise pour retrouver le fruit. D'accord. Mais si elle mangeait le fruit, ça va être dur de lui raconter. Dans une météorite, mon gros chaud n'est pas là non plus. Où a-t-il bien pu passer? Oh, mais attends, j'ai l'étrange impression qu'un fruit que tu recherches était là ici. Il était ici il n'y a pas longtemps. Et quelque chose me dit que ce Père Lachaise a bien pu faire son 4 heures. Tu devrais retrouver cet homme qui avait l'air si important et lui demander si il sait quelque chose après tu. Après tu cherches ta paix. Bah écoutez, alors je vais reparler à ce vieux monsieur, à ce monsieur là-bas, et on verra. Ah, c'est vous? Comment ça, vous êtes sûr, le Père Lachaise a quitté l'abbaye après avoir mangé le fruit dont vous parlez? Je vois, il renferme un pouvoir mystérieux. Je vois. Bien sûr, la tour d'évocation. Selon les gens, c'est là qu'avait lieu le rite de changement de vocation, mais elle est envahie par des monstres aujourd'hui. En temps normal, le père n'aurait jamais osé se rendre dans cet endroit si dangereux, mais si vous dites que le fruit lui a confié des pouvoirs magiques, il a peut-être pu pousser par la curiosité. Par le Tout-Puissant, je me trompe ou il est parti seul. Pourriez-vous aller à la tour et ramener le père Blaise? Nos membres du clergé ne sommes ni capables d'affronter les monstres ni en clarité. Ouais, on va l'aider. Ouais. Oh merci, avant de votre départ, placez-vous et saluez, d'accord. On nous a donné une capacité pour devant la tour, il faudra saluer la porte et comme ça on pourra ouvrir la tour de l'évocation. Donc, je pense qu'on ira dans le prochain épisode. Alors d'abord, je vais vous montrer comment équiper cette attitude. Donc c'est ça. Voilà. Je crois que c'était salut. Inclinaison. Excusez-moi. Donc on va mettre inclinaison. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à la commenter. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 9 de Dragon Quest 9. Et je m'excuse encore s'il était un peu court. Sur ce, à la prochaine. Et encore un grand merci à vous. Allez, ciao ciao!